Ce podcast, il parle clairement de viol, d'agression sexuelle et surtout de la zone grise qui peut exister avant ces délits ou ces crimes et des relations qui se transforment, qui continuent ou qui continuent pas ou qui continuent différemment après ce genre de cas. Ça s'appelle Tout de suite les grands mots. Tout de suite les grands mots, c'est un épisode unique de 20 minutes, ça dure 20 minutes, réalisé par Nora Benaroche-Orsoni. Et c'est décrit comme ça, un garçon, une fille, des dizaines de textos, service après-vente d'un mauvais rancard hétéro. Voilà, c'est un podcast qui est diffusé par le collectif Transmission, que je vous recommande, cet épisode unique de 20 minutes qui questionne beaucoup, qui interroge beaucoup. C'est un récit croisé donc entre un homme et une femme qui ont vécu un même rendez-vous mais qui ne se parlent pas au micro au même moment. Bien sûr, c'est seulement croisé au moment du montage. Et ouais, ça peut être assez déroutant, mais je vous le recommande parce que c'est quand même bien monté, bien raconté, et ça questionne beaucoup, et ça fait plaisir, c'est fait pour ça. Pendant le déjeuner, il m'expose toute sa théorie sur les hommes et les femmes, et le vagin et tout, et il me dit, j'ai commencé à écrire un texte, et si tu veux bien, j'aimerais qu'on finisse de l'écrire ensemble. Et je crois qu'elle avait pas été très emballée par l'idée. Je me suis dit, vraiment, mais le cum, il croit quoi? Il pense qu'on est liés par un truc de ouf, et qu'on va faire de l'art ensemble. Et je me disais, mais en fait, ça pourrait être une pièce, quoi. Ça pourrait être un huis clos entre un homme et une femme, quoi.